Salut à tous, revue de presse du samedi 22 juin, c'est parti. Donner, c'est sauver des vies. Alors, les organes qu'on peut donner. J'ai vu un truc à la télé, là, il y a un gars qui donnait un rein à sa femme. C'était une belle marque d'amour. Sinon, elle allait mourir. Et il disait, ben, moi je donne un rein, puis on continue à vivre tous les deux. Voilà. C'est beau, ça. Et voilà, en ce qui concerne la cinquième circonscription, la dernière, c'est la mienne. C'est là, donc, où j'habite, puisque moi, je suis du côté de Thiers. Vous voyez, Thiers, c'est ici. Alors, qui c'est qui se présente? On la voit, c'est ici. Alors, on a le choix entre Véronique Basté, 52 ans, Renaissance. On a le choix avec Yves Courtaliac, 52 ans aussi, Les Républicains. Gabriel Capron, 77 ans, Lutte ouvrière. André Chassaigne, 73 ans, Nouveau Front populaire, avec l'accent auvergnat. Et Brigitte Carletto, 64 ans, Rassemblement National. Donc, écoutez, allez voter. Ou n'y allez pas. En fait, vous êtes libre, vous n'êtes pas obligé d'aller voter. Moi, j'y vais. Alors, pour ceux qui regardent l'émission, je sais que dans ma famille, il y en a qui regardent. Eh bien, il y a un gars de Cournon. Enfin, un couple. Pas le gars, la meilleure boulangerie, oh, le gars. Arthur et Agathe qui vont représenter les couleurs d'Auvergne à Cournon pour la meilleure boulangerie de France. Ben, j'espère que vous allez gagner, Arthur et Agathe. La rue François Mitterrand, ben, je vous en ai déjà parlé parce que c'est un quartier où je vais peut-être bosser. Alors oui, il n'y a pas de trottoir. Bon, c'est des mini-trottoirs. Loin de créer des polémiques, il voit deux points positifs. Le premier, c'est que des charmants automobilistes lui ont cédé le passage. Le second, c'est que ces deux chantiers n'apporteront que du mieux à la ville. Ah, ben voilà, c'est positif, c'est bien. Ben oui, il faut le dire. Bon, ça c'est très bien. Thiers d'Ormontel qui vont vendre un terrain à Matussière pour un centre de réadaptation avec deux médecins. Très bien. Parfait. Petite pub pour Red Cover. Un groupe avec des gars que je connais bien qui sont très bons, des très bons musiciens. Je vous encourage à aller les voir. C'est ce soir à Thiers. Ce sera à l'Atrium à 21h. Ça commence à 21h, samedi 22. Je vous laisse la publicité pour que vous puissiez regarder. 21h, ça va être sympa. N'hésitez pas à aller les voir. C'est pas possible ça. La fête de la musique à Thiers, ça se passe ce soir à l'Atrium, pour ceux qui connaissent, c'est un foyer de jeunes travailleurs. Et à 21h, et il y aura d'autres groupes aussi, vous avez le groupe Red Cover, avec les gens qu'on connaît bien, les Thiers Noirs. Des très bons musiciens, je vous encourage à y aller, c'est gratuit. Et météo ou pas météo, on verra bien. De toute façon, ils ont prévu, au cas où il pleuve, hein, je pense qu'ils ont prévu un petit moment bien convivial. Concert, scène ouverte, atelier de tresse et bien plus encore. Finalement, tout sera maintenu, à l'exception des grands jeux XXL, confie Philippe Guyot, le directeur. Festivités commenceront à 14h. Ah oui, les habitants pourront participer gratuitement à des ateliers de tresse, de forge ou encore de calligraphie. Ils pourront créer leur propre tisane, brochette de fruits. Toutes ces activités se dérouleront à l'intérieur dans le hall du foyer. La soirée débutera avec une bataille de hip-hop par le conservatoire Georges Guyot. Les participants pourront ensuite se restaurer. À défaut du barbecue initialement prévu, les organisateurs préparent d'autres plats à l'intérieur. Et donc, il y aura les concerts avec Red Cover. La fête s'achèvera avec un spectacle de lumière. Eh bien, écoutez, on espère qu'ils seront nombreux. L'année dernière, il y a eu 300 personnes. Conservatoire, en fait, c'est à la salle métro à Thiers. Samedi, 20h. Donc c'est ce soir, les musiciens vont enflammer la scène du métro avec des morceaux de couleur pop et rock. On n'a pas trop de détails là par contre. Aujourd'hui, pour les passionnés de foot, qui doivent être un peu tristes parce qu'on est en Ligue 2, vous avez le calendrier de la saison 2024-2025, le voilà. Ça commence le 17 août et ça finit le 10 mai. Bon, Romain Bardet, il arrête. Il arrête le vélo de route, il va faire du gravel. Ben, il vient au VTT, Romain, il vient faire du VTT, parce que pourquoi tu viendrais pas faire du VTT, ce serait encore mieux. Ah, je suis déçu, j'aurais préféré qu'il vienne au VTT. Moi. Il a 33 ans, il a dit stop, on arrête là, c'est bon. Je n'étais pas certain de vouloir continuer le cyclisme, mais j'ai l'impression de pouvoir accomplir encore des choses et viser de bons résultats avec l'équipe.
Il passe donc au gravel avec objectif le mondial en 2025. Bon, je vais être honnête avec vous, j'ai regardé que la première mi-temps. Je ne suis pas un grand passionné de football, vous le savez. Et première mi-temps, j'ai arrêté parce que j'étais déçu. Je trouvais que le match, franchement, on s'ennuyait, quoi. C'était pas terrible, franchement. Bon, les résultats, donc. On est deuxième avec 4 points. Les Pays-Bas sont premiers. Mais pourtant, ils ont 4 points aussi. Ils sont premiers. J'ai pas compris, mais bon. Troisième, Autriche. Pologne, quatrième. Eh, bon. On n'est quand même pas avec les plus forts. Hein. Quand on va tomber sur les Allemands, l'Espagne, l'Italie, l'Angleterre. Je sais pas, je connais rien, mais il va falloir qu'on se réveille. Hein. Alors, groupe A en tête, l'Allemagne. Groupe B, l'Espagne en tête. Groupe C, l'Angleterre. Groupe F, la Turquie. Bravo, les Turcs. Groupe E, Roumanie, premier. Bon, ben voilà. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé du Rassemblement National, parce qu'on n'en parle pas beaucoup en ce moment. Hein. Alors, Rassemblement National, appel féministe, droits des femmes, des organisations qui alertent. Cortège lancera dimanche à 14h30 à Paris. Parti de Jordan Bardella a gagné 10 points. Alors par contre, ce qu'il faut dire, c'est que Bardella, au niveau des réseaux sociaux, c'est une star. Je peux vous assurer qu'au niveau, quand tu écoutes les gamins, demandez aux gamins autour de vous, à l'école, tout ça, les gamins qui vont à l'école, ça. Bardella, c'est une star des réseaux sociaux. Il a tout compris. Macron avait compris un peu aussi. Il était bon en réseaux sociaux. Bardella, c'est puissance 10. Bon, envoyé spécial, ils ont fait une émission et ça a déclenché une enquête parce que dans l'émission, apparemment, il y aurait une dame comment ça s'appelle ? Exprimée aux élections européennes. Divine Kinkela, une aide-soignante d'origine africaine, explique être victime des insultes de ses voisins. Alors, qui serait sympathisant du Rassemblement National, qui l'aurait traité de bonobo. Alors, le bonobo, il faut savoir que c'est un singe. Petite particularité, le bonobo règle tous ses problèmes de manière sexuelle. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il veut quelque chose, il a une relation sexuelle. Le bonobo, il pense qu'à ça. Voilà, donc, ils lui ont dit... retourne, comment ? Va à la niche, bonobo. Elle s'est fait traiter de bonobo, cette dame qui s'appelle... Ah, j'ai perdu son nom, désolé. Bon, envoyé spécial, est Divine Kinkela. Elle est aide-soignante. Donc, ils vont faire une enquête. À Montargis. J'aurais pu aller travailler à Montargis. Heureusement, j'ai refusé. J'ai senti que Montargis, c'était le plan foireux de ma carrière. Et le journal La Montagne qui parle encore de Bardella. Bon, calmez-vous avec Bardella. Qu'est-ce que c'est encore ? Au lendemain des élections, on s'est demandé quelle était la ville de plus de 2000 habitants en France où Jordan Bardella avait fait son meilleur score. Alors, Marle-les-Mines, ville du Pas-de-Calais. Dans le Pas-de-Calais, l'ex-bassin minier, on vote Bardella. On continue le journal de la montagne qui parle encore du Rassemblement National qui a pris la place du Parti communiste à Marle-les-Mines. Arnaud Huc a longtemps travaillé sur le vote Front National. Et ce score record du Rassemblement National à Marle-les-Mines, c'est tout sauf une surprise pour vous. Oui, ben ils en ont déjà parlé. Là, vous répétez, les mecs. Est-ce qu'il va faire beau pour la suite de la fête de la musique ? Pluie suivie d'instabilité. Aïe, 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 aïe. Et à Thiers ? Ah mince, à Thiers, il pleut. Bon, les musiciens, foutez-vous à l'abri, hein, d'accord ? Bon, très bonne nouvelle, on est à un mois et demi des épreuves olympiques qui doivent se tenir dans la Seine, et la Seine est pourrie, dégueulasse. Donc, ce qui est cool pour les sportifs, ils vont nager dans de l'eau pourrie. Super.